Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de comment tu peux utiliser TikTok directement depuis ton ordinateur, depuis ton PC. Aujourd'hui, il existe des émulateurs. Donc, celui que je te conseille, c'est BlueStack. Donc, BlueStack. Tu peux chercher ça sur Google. Tu vas tomber directement sur lui. Tu le télécharges. Et en fait, c'est tout simplement un émulateur qui va te permettre de simuler un environnement mobile sur ton ordinateur directement à travers ce logiciel. Donc, je te laisse le télécharger. Quand tu le télécharges, ça va ressembler à ça, tout simplement. Ensuite, une fois que tu le démarres, la première fois que tu le démarres, ça va être un peu plus long que les autres fois. Il va devoir installer toutes les mises à jour. Donc, ça va ressembler à quelque chose d'à peu près comme ça. Ça peut prendre 2 à 3 minutes, le premier lancement. Ensuite, tu vas devoir te connecter à Google Play. Donc, c'est un émulateur Android. Donc, il va fonctionner avec Android, avec Google, avec le Play Store. Google Play, ça fonctionne avec une adresse Google. Je te laisse te connecter si tu en as déjà une. Si tu n'en as pas une, tu la crées, tu suis les étapes, c'est hyper simple, tu es guidé là-dessus. Et ensuite, tu vas avoir accès directement au Play Store, au Google Play Store. Donc, quand tu es là-dedans, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de mettre TikTok et de pouvoir l'utiliser directement depuis ton PC. Alors, pour utiliser TikTok, on va devoir déjà trouver l'application TikTok. Donc, on va tout simplement chercher TikTok dans la barre de recherche des applications et des jeux. On va tomber sur TikTok, on va cliquer sur installer, ça va nous permettre d'installer l'application. Et donc, l'application TikTok va être installée sur BlueStack. Une fois que c'est installé, on peut l'ouvrir en cliquant directement sur ouvrir ici, ou alors quand on va être sur l'accueil de BlueStack, on va avoir tout simplement le logo de l'application TikTok qui va s'afficher et on peut cliquer dessus comme sur téléphone pour l'ouvrir. Une fois qu'on clique dessus, ça nous ouvre tout simplement TikTok. Bienvenue sur TikTok directement sur ton ordinateur. Et du coup, tu peux faire plein de choses si tu as TikTok sur ton ordinateur. Je te laisse réfléchir à tout ce que tu peux faire. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si cette vidéo t'a intéressé ou a pu t'aider, n'hésite pas à la liker, à la partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser également ou que ça pourrait aider. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout en ce moment, prends soin de toi.